Marco Miron. Marco Sogendré. Makoso Jean-André, Bikindu Tony Arsène Romaric, Matsongi Raymond et Kimbembe Malonga Megzon, telles sont les identités des quatre huissiers de justice qui ont prêté serment vendredi 29 mars 2019 à la cour d'appel de Pointe-Noire. Cet événement a donné lieu à une audience solennelle présidée par Roger Okombi, le vice-président de la cour d'appel, assisté des conseillers d'un avocat général, maître Mankou Joseph, et d'un greffier, maître Kinkoso. La salle des audiences est étaient bondés de monde, constitués par les parents, amis et connaissances, mais aussi les collègues juristes de la chambre départementale des huissiers de justice, les notaires et les avocats. Après l'observation des rites sur fond de présentation des nouveaux promus, à travers la lecture des notes de nomination par le greffier et les biographies suivies de la mise en exergue de la vocation d'huissier de justice par l'avocat général, les concernés ont solennellement prêté serment. Au terme de cette prestation de serment, le président de la chambre départementale des huissiers de justice de Pointe-Noire, maître Éric Balou, a articulé une allocution de circonstance dont voici un extrait. Il est sans doute que vous avez choisi cette profession pour prétendre gagner votre vie, sachant que le travail de huissier est certes long, mais aussi délicat et peu. Oui, vous serez amené à exécuter toutes les personnes de divers caractères, des douces, des violents, des bosses, des brigands. Il vous faudra agir avec discernement dans l'exercice de votre ministère. Vous aurez à coopérer et à collaborer avec eux pour le triomphe de la vie. Que le Seigneur vous comble de ses bénédictions et vous y accompagne. Il s'est ensuivi les mots de circonstance du bâtonnier du barreau de Pointe-Noire, de l'avocat général et au final, celui du vice-président de la cour d'appel qui a levé la séance. L'un des nouveaux huissiers de justice ayant prêté serment, maître Jean-André Makoso, a bien voulu exprimer sa satisfaction. Vraiment beaucoup d'émotions et de sentiments de profond soulagement. Parce que le parcours, comme vous pouvez imaginer, a été long. Il a été aussi semé d'épreuves, qu'avec courage, détermination, nous avons surmonté. Il y a eu aussi les conseils de mon maître de stage, qui n'a cessé de m'indiquer la bonne voie. Les écueils à éviter dans ce métier délicat, bien que exaltant. Donc j'étais très ravi. On retiendra que les huissiers de justice, considérés comme les bras droits des juges, ont pour vocation de faire exécuter les décisions prises par la justice.